Les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui incroyable. La bécane qui m'a fait le plus peur au monde. Avec mon ami de longue date, de toujours. Hein. De toujours, exactement. Mon ami de toujours, on se connaît, ça fait, on a fait 34 ans qu'on se connaît, j'ai 34 ans. Exactement, on a fait les 400 coups. On est toujours ensemble, donc ça fait plaisir. Si vous avez un projet photo vidéo, comme d'hab, je vous mets les trucs. Voilà, avec la masse, là, il connaît lui. Ah bah direct. Voilà, direct. Aujourd'hui, il va nous présenter son bijou. Moi, je voulais vous la présenter parce que c'est simple, c'est la moto qui m'a fait le plus peur dans ma vie, c'est celle-là. ZX10R, c'est le démon en personne, il est là. Équipement, pourquoi t'as ça, tu veux mourir, tu veux pas mourir? Non, moi j'ai toujours kiffé les gros cubes. Les sportives. T'as vu, moi quand j'ai commencé c'était avec le Z1000. Ouais, d'ailleurs, ouais, mon Z1000 que j'ai acheté, je l'ai acheté à lui. Ouais, voilà. Que j'ai gardé pendant 8 ans. Déjà, tu as gardé 8 piges, ça mère. Ouais. Et du coup, j'ai acheté celle-là ensuite. Du coup, il a acheté le ZX10R. Parce qu'elle avait toutes les configs que je voulais. Déjà la couleur. Ouais, elle est belle comme plus, ça. Plus ligne complète titane Arrow. Magnifique. Donc débridé, enfin full. Combien de chevaux? 212. 212 chevaux, waouh, ouais. Ouais. Trop, c'est trop! Shifter monté, elle l'avait. Ouais. Donc j'ai installé le shifter descente. Donc là, au bas, shifter au bas. Ouais, voilà. Incroyable. Magnificos. Incroyable. T'as vu, en plus, tu vois, il y a beaucoup de carbone. Ouais. Sur le cadre. Tu l'as acheté comme ça. Ouais, tu l'as acheté comme ça, toi. Le propriétaire qui l'avait fait avant. Sur le bras oscillant, à l'avant. En termes d'aide à la conduite, t'as quoi dessus? Tout, launch control, anti-wheeling, anti-tout. Anti-tout, anti-chute, je me casse pas la gueule malgré que je roule avec le démon. Voilà. Ah, c'est une dinguerie sans nom, elle est vraiment incroyable. Elle est full équipée, en plus elle est belle en noir, hein. La vérité elle est belle de ouf, moi je kiffe, elle est magnifique. Tu fais une, deux, t'es à 200. Première 180, deuxième 200, donc c'est vraiment, je vous dis, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde clairement. C'est trop, moi pour moi c'est trop. Pourtant j'aime la vitesse, moi j'ai passé le permis pour rouler avec ça, j'ai roulé avec ça, Ninja, GSX-R, j'en ai eu 3 en tout. Et aujourd'hui encore, même si ça reste mon kiff, je trouve que c'est trop. On peut pas accepter. Première, deuxième, 200. En 15 secondes, t'es à 300. C'est... On va se mettre au guidon, c'est parti. Oh mon Dieu! Ça, vous le mettez pas dans les mains de n'importe qui, les gars. Je vous le dis tout de suite, c'est le démon en personne. C'est pas pour rien que c'est la bécane qui m'a fait le plus peur à l'axel, je vous assure. Regardez, hein. Regardez. Oh là 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 là. Je sais pas si à la caméra on se rend bien compte. Mais ça avance très 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 fort. Première 180, deuxième 200. Alors bon, là je l'ai pas fait, hein, mais je peux pas la monter à max. Le spot il est pas assez grand. Mais c'est une dinguerie sans nom. Regardez, on est reparti tout doux. Le freinage il est mordant, t'as peur. Le shifter, regardez le shifter comment c'est magnifique. Je vais y aller tout doucement, regardez. Écoutez. Ah, up and down. Clairement, vous avez vu, hein. C'est pas une moto. Pour moi, ça sur la route, c'est pas exploitable. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait pour faire de la piste. C'est trop. Bon, au petit passage, on est sur route fermée. Hein. Là, c'est un chantier. On n'est pas sur la circulation. Je sais pas si on se rend compte, mais effectivement, à 7-8 000 tours, moi, je le ressens en tous les cas. La bécane, elle décolle littéralement. Et sans l'anti-wheeling. Le launch control, etc. Je m'envole, hein. Clairement sans ça je m'envole. Elle part trop fort. Ah c'est fou, c'est fou, c'est fou. Vraiment c'est wow. Thank you.
Même le bruit, tout, vous en... c'est jouissif de fou, c'est incroyable. Il y a tout qui est... y a tout qui va sur cette moto, la vérité, il y a tout qui va. Regardez ça. Est-ce que c'est pas incroyable, franchement? Est-ce que c'est pas magnifique? C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, il y a mon pote Dev de Gros! Regardez qui est là! Mais c'est Dev de Gros en personne! Bah, vous le connaissez, je vous le présente pas. Le meilleur stunter de tous les temps. J'ai fait une vidéo avec lui, je vous la mets en lien. On se pète là-bas! On est parti. C'est oufissime, c'est oufissime. Vraiment, je... En fait, je m'y fais pas à la puissance. C'est trop, 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 trop. Écoutez, juste kiffer. Waouh, c'est incroyable. Donc, wow, c'est... Oh là là là, regardez ça! Elle s'arrête aussi fort qu'elle accélère, c'est incroyable. Putain! Sur la route, j'ai déjà fait des pointes avec de fou malade. En 15 secondes, vous êtes à 2,70, hein, normal. Vraiment, vraiment, je vous mens pas. C'est simple, en première, vous montez à 180, vous passez votre 2, vous êtes à 200, et ça s'arrête jamais en fait, parce que toute la puissance, elle est en haut. Plus vous montez 8, 9, 10, 11, plus la moto, elle s'énerve. A contrario d'un bicylindre, le 4 cylindres, tout est en haut. C'est-à-dire, plus vous accélérez, plus la bécane, ben, elle s'envole. Elle s'envole littéralement. La seule chose qui la retient, c'est ses aides électroniques. Sans ça, c'est Pop Smoke, hein, clairement. Vous rejoignez Pop Smoke. Billie Jean, Billie Jean. Regardez ça. La seule raison pour laquelle j'ai passé le permis, moi, c'est pour rouler avec ça de base. C'est des bécanes que je kiffe. C'est un truc de fou en fait. Ça demande que à monter. C'est pour ça que je dis, si vous avez jamais conduit ce genre de bécane, je vous conseille au moins une fois dans votre vie, vous voyez ce que c'est. Mais faites hyper attention, c'est pas un jeu. Vraiment, je vous jure, moi j'ai le permis depuis 2008, je crois, un truc comme ça. J'ai eu 3 hypersports dans ma vie, j'ai roulé avec ces bécanes là, tu vois. J'ai roulé. C'est pas un jeu, vraiment c'est pas un jeu du tout. Ça va ou quoi? Un petit mot pour la fin, un conseil pour quelqu'un qui a jamais roulé avec ça. Ouais, il achète pas ça. Ouais. C'est le meilleur conseil, achetez pas ça. Ça ne va pas non. C'est mieux. Ouais, si t'as jamais roulé avec ça, achète pas ça, la vérité. Ouais. Non, c'est trop, c'est beaucoup trop. Parce qu'en fait, ça monte beaucoup trop vite et on arrive très très vite à des vitesses vertigineuses. Ouais. Tu te retrouves à 200 sans t'en rendre compte. Ouais. Parfois on est sur la A3, on monte. Tu regardes le compteur, tu dis putain, je suis à 200, tu le sens même pas. Après, ton freinage, il est incroyable. C'est-à-dire que tu t'arrêtes quasi aussi fort que t'es parti. C'est amortisseur à gaz. Ouais, amortisseur à gaz, et je crois que les freins, c'est quasi les mêmes que la H2. H2 ouais, ouais, pareil. Le freinage, il est pareil. Au freinage, t'as aussi des sensations. Quand tu freines fort, ça fait ah, ça te plaque au sol. Ouais, c'est ouf. Moi, c'est que du bonheur. Je voulais vous la présenter parce que c'est un coup de cœur cette bécane et c'est, je le redis, c'est la seule à l'axel qui m'a fait flipper. Ouais, ça s'arrête jamais. Du lot quand même. Ouais, ouais. Après, j'ai pas testé le S1000 RR et compagnie. Mais c'est par rapport à un GSX-R et R1, c'est pas pareil. Ouais, c'est au-dessus clairement. En termes de puissance, c'est au-dessus. S1000 RR et Panigale, je demande à voir. Ça doit être ça doit être quelque chose aussi. Mais en tout cas, le ZX-10R, si vous voulez des sensations, vous allez être servi. Incroyable. Et en attendant de se revoir, faites-vous plaisir. Je voulais qu'il le dise. Je voulais qu'il le dise, il l'a dit. Pour les filles. Et il en faut pour tout le monde. Voilà. Les veines, regarde là, on voit les veines là, on voit les. Ah celle-là, ouais, voilà. Ah, voilà. Ça c'est pour les filles ça. S'il y a des filles, il est dispo. 2023, pas de wheeling, temps de chauffe toujours respecté. Voilà, exactement.
0 km. 0 km au coup, ouais. Touche dit. Touche dit. Je rebuis à chicha.